Je m'appelle Claudie Pétrissan. Je viens vous expliquer ma démarche artistique. Afin de préparer une retraite active, je me suis inscrite à l'École des Beaux-Arts, l'ESAD, où je me suis inscrite au dessin académique, à la peinture, au modèle vivant, et j'ai même fait de la bande dessinée. À la peinture, donc, j'ai approché tout ce qu'on peut approcher, c'est-à-dire à la fois le pastel, l'acrylique, l'encre, c'est tout à peu près. Et puis j'ai donc appris tout dans le domaine du figuratif, à travailler dans le figuratif, et j'ai découvert la technique mixte. Et dans la technique mixte, je me suis aperçue que je pouvais avoir une créativité que je n'avais pas dans le figuratif. Donc j'ai découvert la technique mixte avec apport de matière, alors matière minérale, végétale, du carton, de la colle à carrelage, toutes les matières que je pouvais avoir, afin d'amener dans mes tableaux une texture particulière. Après un séjour à New York, ça a été vraiment le déclic. J'ai découvert les verticalités de ces immeubles, la profondeur, la perspective, et je me suis dit, il faut que je les exploite. Et je suis partie donc pour mes New York, je suis partie à partir de photos, d'une photo, et j'ai construit autour de cette photo une perspective. Hein. Je suis partie, j'ai fait des immeubles de façon que l'on sente vraiment une perspective, un relief, et qu'on retrouve surtout cette verticalité qu'on a à New York. Voilà. Et puis après cette expérience de New York, je suis allée sur, à maintenant actuellement, je vais sur l'arbre dans l'art contemporain. Mais je travaille toujours avec les cartons parce que je trouve que c'est un outil pour moi extraordinaire où je peux valoriser les couleurs.